Et on relance l'enregistrement directement derrière. Du Assassin's Creed sur PC, un jeu qui m'a été offert par Etira, encore une fois un immense merci à lui. C'est terrible, je suis tellement réveillé que j'ai l'impression d'être tellement convaincu par ce que je raconte, ou du moins d'avoir. Je suis convaincu, mais le lien entre mon cerveau et le physique n'est pas fait, je crois. Et j'essaye de retrouver l'application qui permet de lancer le timer. Elle est là, la voilà, début. C'est parti pour 40 minutes, comme je le disais. Désolé. Je suis pas du tout au bon endroit pour cliquer. Voilà. Donc, ouais. Et donc, le chat. Du coup, ça doit faire bizarre pour les gens qui suivent pas forcément les vidéos les unes à la suite des autres, pour ceux qui sont pas en live et qui regardent l'ardif. Le chat qui s'appelle Mickey, si, elle est extrêmement câline. Et par contre, j'ai vu un. Par exemple, Nimala, elle a un chat qui est plus. Moi, je définirais presque comme bipolaire, c'est-à-dire qu'il va venir vous faire un câlin tout seul, hein, c'est-à-dire qu'il va venir se frotter à vous et après il vous attaque. C'est-à-dire que vous avez même pas le temps de répondre quelquefois hein, pour le gratter ou autre. Voilà, enfin, gratter en l'occurrence. Et elle vous attaque comme ça. Et je me rappelle, une fois j'étais chez Nimala et le chat a attaqué, était en train de se stresser dans les escaliers, parce qu'il y avait des escaliers, et elle attaquait toutes les personnes qui s'approchaient un peu trop près, approchaient leurs mains en haut des escaliers entre les barreaux. Elle attaquait à coup sûr, et en fait j'ai essayé de jouer un peu, parce que bon, pour moi les chats ça joue, sauf que elle ça la stresse en fait, peut-être parce qu'elle... Bref, et du coup, en fait, les gens... Qui était là pour voir la maison, faire un truc, je sais plus qu'on appelle ça, le truc d'énergie, descendre l'escalier, et le chat, il a pas réagi tout de suite, c'était juste quelqu'un qui est descendu l'escalier, mais la personne a voulu caresser le chat, elle s'est pris un coup de griffe bien méchant le long du bras. Oh la pauvre! C'était violent. J'ai les yeux qui me démangent d'un coup. Ça va être la fatigue. Pourtant, je me sens pas si fatigué. Bref. Non, elle est pas si jeune. Amy est pas si jeune que ça. Parce qu'elle s'appelle Amy. Comme la sœur de Calde. Il y a eu le rapport. Non, me pousse pas, toi. Faut pas pousser mémé dans les orties. Oh, je sens que ça va être super long de passer par là. Bonne nuit, mais c'est beaucoup d'être passé. Je suis désolé, j'envoie plus de SMS. Comme je dis, les sous, voilà quoi. Ça me coûte plus d'un euro par soir d'envoyer des SMS, donc. C'est pas grand chose, un euro au final, mais bon, voilà quoi. Là, pour l'instant, c'est un peu trop chaud en ce moment pour pouvoir me permettre d'envoyer un euro par. Trois fois par soir. Pas trois fois par soir, trois fois par semaine. Surtout pour ça, quoi. Vous savez maintenant que c'est le mardi, le jeudi et le vendredi. Je suis en train de faire tout un long détour. Du coup, je suis arrivé à un autre machin. Autant essayer de s'en occuper si on peut. Par contre, j'ai l'impression que ça va pas être si simple de monter là-dessus. Il dit bah, crève de faim si tu veux. Moi, j'ai des choses à faire là. Bisous par semaine, de cas. Ah, c'est mignon. Faut qu'elle a par semaine de bisous. Donc bon. Et je sais pas si t'es parti déjà du coup BG, mais je rappelle que c'est entre vous, il va falloir que vous m'envoyez votre adresse pour que je vous envoie le poster. Parce que je crois pas avoir l'adresse de tout le monde. Normalement, il est parti en impression aujourd'hui, le poster. Donc, je l'aurai à la CNU. Ben, en mai dernier, pour mon anniversaire, j'avais proposé à tous ceux qui me faisaient un don ou qui m'offraient un petit cadeau ou un machin ou participer ou, en gros, il y avait plusieurs manières d'avoir le poster. C'est soit de me faire un cadeau. Parce que voilà, c'était quand même le jour de mon anniversaire, et puis j'en profite, je fais le plein comme ça. Et sinon, c'était par tirage au sort, donc je sais plus, j'avais fait un tirage au sort toutes les heures, donc le live dure environ 12 heures quand je suis quand c'est le jour de mon anniversaire. Ah non, mais en fait, je suis déjà arrivé en haut. Et du coup, j'ai mis un an pour le faire, enfin presque un an pour le faire, le poster, donc j'essaierai de faire celui de cette année à l'avance. Mais je me demandais, j'ai peut-être essayé de créer une page Tipeee, pas seulement pour les vidéos, mais aussi pour ce qui se passera sur la boutique. Et pour les vidéos dessins et pour les vidéos
les vidéos tests qui finiront un jour par arriver, je le promets, je sais pas quand, mais ça finira par arriver. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des patates dedans. Voilà. Par contre, ce qui serait peut-être bien, c'est que je descende, parce qu'il y a une autre zone qu'il faut que j'active là-bas. Oh, ça va être encore plus haut. Donc je vais descendre. Descends pas trop vite, s'il te plaît. Par contre, j'ai l'impression que je vais mourir ici, non? Vaut peut-être mieux que je refasse l'ascension. En fait. Bonne nuit, GP. Enfin, bonne soirée. À la prochaine. Je rappelle quand même que je suis pas là demain soir. Comme j'aurai ma soeur avec moi, on fait une soirée raclette apparemment. Oh, il y a un truc ici à voir. Mais bon, du coup, j'aurai du rab de toute façon pour le poster, donc on verra après ce que j'en fais de ce rab là. Parce que c'était soit 50, soit 100, donc vu que j'avais au moins, je crois que j'en avais 52 ou autre à offrir ou à envoyer. Du coup, forcément, j'en ai près de 40 en trop quoi. Parce que c'était soit 50, soit 100, donc 50 ça aurait pas fait assez. Et 100, il y en a près de 40 en trop quoi. Potatoes. Donc du coup, Eleanor, le tien, tu l'auras à la Sagno normalement. Ça m'évitera de payer des frais en plus. Vous arrivez juste au bon moment. Où se cache celui qui a fait ça? Et il m'aurait enlevé. Infidèle! Terminé. Ouais, c'est juste pour jouer les patates. Hein. Juste pour le délire. C'est des mini-jeux qu'il y a sur le chat. Faut aussi attraper des canards. Il y a aussi la bombe. Je sais plus ce qu'il y a d'autre. Donc bon, et pour le Tipeee, c'est surtout parce que la plupart des cartes que je vais faire, je pense que je vais proposer à télécharger gratuitement en fait. Du coup, enfin gratuitement, il y aura une pub qui va s'afficher, mais c'est pas avec la pub que je vais faire mon beurre. Donc je pense que je vais compter sur les mamans ou autres qui pourraient télécharger des cartes d'invitation, machin, et qui voudraient bien aider un petit peu quoi. Pour choper les patates. Les patatates, non, c'est les papates. Ne saute pas n'importe comment, s'il te plaît. Ne fais pas la bêtise de... Ça me crispe toujours, ce truc. Ne fais pas de bêtises, Altaïr. Ne fais pas de bêtises. Pas maintenant. On est quand même vachement haut, là. Je sais pas si tu te rends compte. Il suffit que tu fasses un tout petit écart et tu meurs. Tu vas t'écraser au sol comme une grosse quiche. Il n'y a pas de raison qu'il soit mauvais. Normalement, la Signeux, c'est quand même très agréable. Puis c'est l'occasion de rencontrer un peu tout le monde. Dark, Kald, Tintin aussi peut-être. Patatat. Soit il écrit papat, soit il écrit patatat en fait. Salut Contrôlem. Mout mout à toi. Enfin bref. Regardez-moi un peu la taille de cette ville, c'est quand même assez impressionnant hein, pour un jeu de l'époque. Franchement, ça vendait du rêve. Est-ce qu'il y a un truc encore plus haut que ça? Je ne pense pas. On a fait le plus haut là, je pense. Hein. Vraiment. Non! Vous avez compris ce qui vient de se passer là? J'ai oublié d'appuyer sur le truc pour valider, je crois. Oh la quiche! Oh bah t'as bien de la chance. Oh non! Comme j'ai fait le tour de la ville, je me suis dit c'est bon, dans ma tête c'était fait. Cassez-vous. Elle l'a toujours été. Et il est de notre devoir
Ah mais non. Richard venait à prendre Jaffa, alors plus rien ne pourrait l'arrêter. Il marcherait ensuite vers Jérusalem. Il faut l'arrêter. Le maître hors d'état et son armée d'un filet. Merci Kyo. C'est une catastrophe. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il mérite un châtiment exemplaire. De la défendre jusqu'à la ville passe. Il aime la paix. Tu gagnes en capital sympathie, Isa, pour ça. C'est bon. Faut pas se soucier de ce genre de choses. De quoi sur la tondeuse? Encore? Non, faut pas que je saute. Il s'accroche tout seul. Rappelle-toi, il s'accroche tout seul. Il n'y a pas de touche à maintenir. Ça sent déjà vu? Oui. Bon, c'est comme le coup de la grenade dans les voitures sur... comment ça s'appelle? Just Cause 3. Qu'on n'a jamais fini d'ailleurs aussi. Hein. Voilà. Faudrait que je prenne l'habitude de le faire dès le départ, en fait. Je viens d'avoir une image dégueulasse dans la tête. Le mec, il peut faire comme les pigeons, là. Besoin d'aller aux toilettes? Pas de problème, vous êtes en haut d'une tour, personne ne vous remarquera. Ah, c'est dégueulasse. Avec une sacrée touffe sur la tête. Où est-ce qu'il y a un banc dans le coin? Non mais toi tu t'en vas s'il te plaît. Écoutez-moi tous, je suis venu vous avertir. Si Richard venait à prendre Jaffa, alors plus rien ne pourrait l'arrêter. Il marchera et puis vers Jérusalem. Il pourrait arrêter. Le maître hors d'état de nuire. La cité est la nôtre. Ouais, c'est parti. Voilà, la livraison est complète. Bien. Tu peux en informer le vizir. Et fais-lui bien comprendre que ce genre de marchandise n'a pas été facile ça à trouver. Ce n'est que du vin. Certains font des entorses à la loi. Il y a un passage dans votre livre saint à ce sujet, je crois. Laisse-les manger, jouir un temps, et être distrait par l'espoir. Car bientôt, ils sauront. Or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une écriture connue. Je ne suis pas sûr de comprendre. N'en parlons plus. Fais ce que tu as à faire. Comme tu voudras. Il a fallu sacrifier des mille de vies pour la défendre. C'est une tragédie, bien sûr. Ensuite, je me trompe de touche. Une mission par là-bas. Non, oui, on a même pas encore fait la moitié des missions, quoi. C'est ça que je trouve le plus long, en fait, dans le jeu. Après, il semblerait que je sois pas obligé de les faire, mais bon. Je crois que ça aide un peu plus à... À affronter facilement l'ennemi principal, on va dire ça comme ça. Comment on leur brise les bras, quoi. Je ne suis pas un meurtrier. Tout ça, c'est dans la tête. C'est vous qui m'attaquez, là. Merci pour votre gentillesse. Que Dieu punisse celui qui a fait ça. J'en fais serment. Vous cachez là. Arrêtez. Oh, pardon, collègue. Et voilà, ça c'est fait, zone suivante c'est par là-bas,
En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'à chaque fois, je m'organise pour qu'on fasse trois jeux. Un jeu au rythme lent, un jeu au rythme rapide. Et histoire qu'on varie un petit peu les plaisirs à ce niveau-là. Ok, bon, il est pas capable de passer par ici, le mec. Ce qui me paraît plutôt moins logique. J'ai l'impression que c'est pas par là que je vais monter. Il y en a un autre de l'autre côté. Oui, il y en a un autre. Ok, bon, bah, on va aller voir ailleurs. Si j'y suis. Ouh, peut-être que là. Bah non, là je suis bête, ça va servir au même endroit. Je crois que cet homme a des problèmes. Crois peut-être que ton dieu te protège. Ton dieu n'existe pas. Arrêtez, je vous en prie. Vous me faites mal. Ton dieu n'existe pas. Ah, il m'a bloqué, il a failli me faire tomber en plus. Mais tu vas te calmer, oui. Et quand je dis prends l'épée, tu prends l'épée. Voilà. Ça va, t'es calmé là? Je suis déjà arrivé en haut, il y a encore un peu plus haut. Apparemment, il y a encore un peu plus haut. Ouais, là. Tout à l'heure, on était sur cette espèce de grande tour géante. Ça doit être tellement compliqué à construire, genre, enfin, tellement compliqué. Je me dis, il y a des gens qui les construisent, ces trucs. Quand même. Faut le faire. C'est impressionnant. Pardon. Je suis désolé, je baille. Apparemment, il y a un gugu juste à côté. Là. Mais pourquoi lui il m'en veut là? J'ai rien fait. C'est lui qui me veut. Oh, il doit être au-dessus le truc là. Ouais, je vais les affronter, ça peut pas durer des plombs non plus. C'est vous qui êtes fait. En moins, suivant. Allez. Comment je explose le bras à chaque fois. Oui, oui, je sais. Super, il esquive. Enfin, la parade, je veux dire. Hop là, encore un de moins. Encore ? Sérieux, vous allez m'en mettre combien là ? C'est bon, vous êtes tous KO maintenant ? On peut y aller ? On peut y aller. J'avais pas compris que c'était une chanson. Mais peut-être jugeras-tu bon de m'aider. Je sais que tu veux éliminer le prince des marchands, mais d'autres en ville sont tout aussi cruels. Ah, je ne suis pas un héros. Les commerçants de ce quartier se sont mis à nous fournir de la viande avariée. Ils l'achètent à bas prix et la revendent sans se soucier des conséquences sur notre santé.
Plusieurs de nos enfants ont déjà succombé. Il faut mettre un terme à cette injustice. Accepterais-tu de t'en charger ? Oui, moi, il faut que j'aille et j'irai voir. Ok, ils sont pas là-bas. Pas moi. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, c'est lui qu'il faut que je tue ? Je vais m'éloigner un peu pour mieux revenir. Ah non, toi tu vas me laisser tranquille aussi, hein, s'il te plaît. Écoutez tous, si vous en avez assez de la camelote, venez chez moi. J'ai l'impression qu'il est là-haut. Ça se trouve, c'est des mecs qui sont là-haut en fait. Ça se trouve, depuis le début, je fais la quiche en fait, il faut que j'aille là-haut. Vous me faites mal. Ton dieu n'existe pas. Tu n'as rien à faire ici, maudit vieillard. Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus ou pas? Ah bah non, il y a personne. Donc ils sont bien en dessous. Heureusement que j'ai du temps. Ouais, mais descends. Oh là là. Rien. Que Dieu le garde. Les meilleurs de toute la ville. Jure. Ne reste pas là. Tu cherches, je l'ai ici. Jette un coup d'œil. Oh, par toi-même. Le deuxième est par là, c'est bien. J'aurais quand même eu le temps de les tuer avant. Bah apparemment, je n'ai pas tué la bonne cible. Ah, c'est des marchands qu'il faut que je tue, j'avais pourtant bien écouté la mission. Comment je fais pour les viser, du coup? Bah, je sens que cette mission, je l'ai ratée, je comprends pas ce qu'il faut que je vise, en fait. Apparemment, c'est lui qu'il faut que je vise, mais... Mais comment je fais pour les avoir, ceux-là ? Je comprends tellement rien à cette mission. J'ai fait quoi? Ah, c'est la destruction des tales, ok. Je propose des prix réduits sur toutes mes marchandises. Refusez-en, venez, venez. Qu'est-ce que tu veux? Ok, ça y est, je viens de comprendre ce qu'il fallait faire. Il est pas là, il est pas là, il est pas là. Est-ce que ça passe par ici ou pas? Bien sûr, je vais prendre le seul chemin où c'est pas. Oh punaise, ça y est, j'ai été repéré. En plus... Ah, mais c'est un templier en plus, c'est pour ça. Attaque-moi. Qu'on en finisse. Voilà. Un templier en moins. Il faut que j'entende voir notre collègue. Merci Kyo. Du coup, j'avais trouvé juste avant ton message. Je te remercie, frère. Tu as sauvé d'innombrables vies. En signe de ma gratitude, je vais t'apprendre quelque chose qui te sera utile. J'ai surpris une conversation entre deux serviteurs du prince des marchands. Ils ont laissé un échafaudage juste devant ses quartiers personnels.
Tu pourrais t'en servir pour l'atteindre plus rapidement. En fait, c'est le genre de choses dont il faudrait que je me souvienne. Ou alors peut-être que du coup l'échafaudage est disponible seulement à partir du moment où on lui a parlé, où on a fait cette mission. Ah ouais mais non les mecs, j'étais juste en train de courir, on n'a pas le droit de courir dans la rue. Bon d'accord. Ah mais chut. Le personnage qui refuse de faire demi-tour ça m'agace aussi ça. Est-ce que je vais l'avoir? Non, je vois pas. Oui, Dieu est de ton côté, exactement. Et à venir te chercher d'ici quelques minutes. Tu vois, regarde, je te l'avais dit. Suivant. Pourquoi je fais pas parer sa première attaque à lui là? Je l'ai eu, c'est bon. Barbare. C'est pour la bonne cause. Est-ce que c'était le dernier? Je l'espère. Enfin, mieux vaut ne pas prendre de risques. Je vais rentrer. Et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois... Non, je suis pas d'accord. Beaucoup. Ça peut vouloir dire qu'on a un rendez-vous à l'autre bout de la ville ultra important, je sais pas moi, pour un job par exemple. Ou alors qu'on a un messager, qu'on a une livraison. Mais bon, c'est vrai qu'avec mon costume de temps, enfin de d'érudit, ou je sais pas comment on peut appeler ça, de... Bref, et ben... On n'est pas censé être pressé. Ouah, j'ai mal au dos. Ensuite, donc cette mission est faite, ça c'est cool. On a déjà fait à peu près la moitié des éléments. On va aller chercher les suivants. Bon, on pourra aussi bientôt aller se coucher parce qu'il va faire nuit. Non, ne marchez pas comme ça. Ne recommence jamais. Mais monte. Laissez-moi tranquille. Je ne fais que monter, c'est pas grave, regardez. Alors, est-ce que ça va passer comme ça? Voilà. Ça passe. Moine, merci. N'avance plus. Non mais monte, Altaïr, t'es une quiche en fait. Altaïr quiche maximale. Comment gaspiller des couteaux, c'est dommage. C'est par où qu'il faut que je monte? Apparemment ce serait par là. Où qu'il est le machin sur lequel il faut que j'aille? Les messagers avaient le temps. Ouh, quel joli rattrapage à une main. Et là, on y est. Oh, une course au drapeau, mais non, mais pourquoi ils me font ça, sérieux? J'en veux pas de sa course au drapeau, ça c'est quoi, dérober? Non, interrogatoire. Secourir un citoyen. Et il nous reste 4 points à observer. Oh. Sérieux quoi. En plus le mec à tous les coups il est à l'intérieur. C'est bon, je peux rentrer sans problème.
Paix et sérénité. Tu as besoin d'informations sur cette ville, je suppose. Je n'ai pas de temps à te consacrer. Je dois retrouver des drapeaux qui ont été volés dans notre cage du quartier riche de Damas. Mais, avec cette chaleur, mes jambes ont du mal à me porter. Oh, tu voudrais bien m'aider? Rapporte-moi ces drapeaux. Rectification, tu veux bien faire le travail à ma place? Le prochain est où? Parce que j'arrive même pas à comprendre où est le prochain. Je dirais que le prochain est par là-bas, mais... Bah, il est où? Il y en a un à peu près à ce niveau, apparemment. Bon, alors, c'est le drapeau final, attendez. On va faire comme ça. Tu fais n'importe quoi encore? Ah non, il y en avait un par là. Un par là. Un par là. Ça va, heureusement qu'ils sont pas trop compliqués à ramasser non plus. Pourquoi cette terrible musique d'un coup? Mon but n'est pas de pouvoir passer, monsieur. Ouais, bon, c'est bon, on est dans les temps. Tout va bien. Allez, on est quasiment arrivé au bout. Merci. Le Rafik sera heureux de revoir ses drapeaux. J'ai des informations qui pourraient être utiles. J'ai déjà été invité par Aboul à l'une de ses soirées extravagantes. Il y a une fontaine au centre du palais du prince des marchands. Elle devrait être facile à escalader. Fais bon usage de cette information. Maintenant, excuse-moi, mais je dois partir. Alors là, là, va falloir le suivre du coup. Ah ouais, les mecs, ils m'attaquent direct là, comme ça. Mais en plus, s'il fait pas s'il part pas de manière létale, ça va pas être simple, je sens. Voilà. Super gros plan sur le cul d'un garde. Il y en a combien qui vont arriver? Je vous attends, les mecs. Oh, mais allez, fais des attaques létales. Des parades létales. Voilà, ça c'est bien. L'autre qui est en train de vomir. Et il s'essuie la main sur le pantalon. Oh, la flèche vient de l'avoir passée juste à côté de moi. Suivant. J'aime bien, ils se tirent dessus les uns les autres. Attendez, on va rester là. Ah, il m'a eu. Voilà, bonne nuit. Bonne nuit. Ses ennuis et de se divertir. Nos journées sont tristes, mais grâce à lui,
Nos soirées sont ouais. pleines de joie. Ruisa. Le prince des marchands subvient aux besoins de tous, sans jamais rien demander en retour. Puisse sa générosité servir d'exemple. Nous devrions tous tenter de l'imiter. Du coup, il n'y a plus personne pour l'écouter. Puisqu'il n'y a plus personne, on va pouvoir le tabasser là si on le veut, je pense. C'est bon, je t'ai calmé là. Je vais parler. Je ne tiens pas à mourir pour lui. Son argent n'en vaut pas la peine. C'est une sage décision. Dis-moi ce que tu veux. Rencontrer le prince des marchands. Je te souhaite bonne chance. Ne quitte jamais ses appartements. Quoi ? Aurait-il peur ? Non, c'est la haine qui le dévore. Il se hait presque autant que ceux qu'il prétend servir. S'il se taire chez lui, c'est qu'il a honte de ce qu'il est. Il finira bien par se montrer. Parfois, il prend la parole, brièvement, lors des fêtes qu'il donne. C'est sa façon à lui de renforcer son sentiment d'appartenance et d'afficher son mépris. Mais que cherche-t-il à cacher exactement ? Tu verras bien. Laisse-moi partir. Te laisser partir pour que tu lui divulgues mon plan ? Je ne dirai rien. Oui, tu as raison. Je suis désolé. J'aime pas te tuer, mais... Le personnage m'y oblige. Je ne fais absolument rien dans ce sens, moi. Suivant. Ouh, punaise, il fut expéditif, j'aime ça. C'était le dernier. Je l'espère. Enfin, mieux vaut ne pas prendre de risques. Je vais rentrer. Et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière chandelle. Merci beaucoup. Je ne l'oublierai jamais. 6 sur 10 citoyens secours. Il y en a un autre ici. On va passer par là en attendant. Qu'est-il passé ici ? Il n'a rien à faire ici. Va-t'en. J'ai tout à faire ici, c'est moi qui décide en plus. Ça doit être là qu'il faut que j'aille. Donc on va passer par là. Par là. Oh. J'ai plutôt bien choisi. Des photos, j'en ai environ 3 ou 4. J'ai Afezo, je crois. J'en ai quelques-unes à des personnes qui dessinent. Mais il y a vraiment de tous les niveaux, donc ne t'inquiète pas pour ça. Comme je te dis, puis en plus, c'est, l'important c'est pas de comparer les niveaux ou autre, c'est vraiment de voir comment chacun traite le sujet. Donc t'inquiète pas, hein, y a pas de soucis avec ça. Si t'as envie de les envoyer, envoie-les. Comme je te dis, il y en aura d'autres. Hein. Je sais plus combien j'en ai à des marshmallows. Et comme j'ai même pas encore fait le mien de dessin, à chaque fois je me dis je le fais demain et puis j'ai toujours pas fait. Parce que j'ai encore d'autres vidéos dessins qui sont qui sont enregistrées, notamment des cartes d'invitation pour les anniversaires, puisqu'on m'avait passé des commandes, et du coup il me reste encore 2-3 vidéos de cartes d'anniversaire à monter. Et c'est pour ça, je veux pas que ça prenne trop de place sur le disque dur, parce que les formats sont... Enfin c'est pas encore fait quoi. La synchro 15 sur 15... Ah, du coup je gagne un truc, synchronisation ADN augmentée. Bah oui, si, Isa avait raison. On gagne des améliorations quand on fait ce genre de choses. C'est bon, j'ai synchronisé, oui, donc je descends. Oh, j'ai bien cru qu'il allait se louper sur le sol. Si, si, hésite pas à envoyer, moi franchement ça me fait plaisir en plus. Donc bon, mais je pense que d'ici, je la sortirai quand même en mars, la vidéo avec... la suite des événements. Tu n'oses commettre un larcin sous mes yeux ? Tu vas le payer cher ! C'est pas lui que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Toi, je t'ai vu de venir, et t'es pas mort en plus. Suivant. Suivant. Suivant.
Suivant. Oh, mais il y en a combien qui vont se ramener là? Oh, mais tu les... Si c'est pas létal, c'est pas la peine de parer. C'est l'heure. En plus, ça tombe bien. On fait donc cette dernière mission et après, on coupe le live parce qu'il faut aller dodo. Même si j'ai mis énormément de temps à démarrer. Salut Xoxo. Décidément, t'arrives pile au moment où je dis que je vais arrêter. Le téléphone vient de sonner pour dire qu'on avait fait les 40 minutes de rediffusion. Il y en a encore combien là qui vont arriver les uns à la suite des autres en fait? On va faire des montagnes de cadavres? Vous avez reçu peut-être un nouveau message. C'est pas sûr que ce soit un message. Voilà, mourez s'il vous plaît, qu'on puisse augmenter la pile de cadavres. Et qu'on puisse sauver la dame. J'ai pris le poteau, enfin la colonne. Il a l'air surpris mais quand on fait ça. Hop, la dame là qui dit non, moi j'y suis pour rien s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Tu te rends compte tous les gens que je suis obligé de tuer pour toi? Bon, on va essayer de lâcher comme ça si on peut. Madame, on a fini. Bah là c'est le marshmallow le thème. Parce que les cartes d'invitation c'est tout pour la boutique en fait. C'est-à-dire que moi on m'a passé une commande et du coup je fais la carte en dessin. T'arrives à la fin, ouais. Bah c'est pas grave, je suis content quand même que tu sois placé. Ça fait plaisir. Bon, on va juste aller faire le dernier. Enfin, c'est pas une observation là. Et on s'arrêtera là-dessus. A chaque fois, je dis que je vais faire une mission de plus, mais bon. Pardon. Ah, j'essaie de d'éternuer sans faire de bruit, mais du coup, c'est trop puissant. Je peux pas retenir. Ces hommes agissent contre la volonté de Dieu. Ils méritent un châtiment exemplaire. Partout où ils passent, ils sèment. Partout où ils passent, la saleté trépasse. Ils disent que c'est une froideur. Ne laisserai pas passer. Pourquoi? L'ignorance, la violence, la folie. Nous devons. Je sais pas qui c'est qui me voit là. Nous devons les combattre jusqu'à notre dernier. Peut-être sur le mur là-bas. A chaque fois que je saute, j'ai vraiment mes super peurs que le personnage se casse la figure. Bon, on va voir ce que ça m'apporte. Hé, Leg, t'es bien gentil, mais t'es pas censé me passer au travers. J'ai acheté plein de machins aussi pour faire des cartes. Une espèce de prédécoupeur, ou je sais pas comment on peut appeler ça. J'ai plein de papier pour la CNU. Pour imprimer des cartes aussi. Je dois avoir environ 800 feuilles, je crois. Non, pas 800. 500. Ça, c'est fait. Du coup, je peux descendre par là. Ouais, non, il reste 2-3 missions. Donc non, on va s'arrêter là. On les fera la l'âge prochaine, rediff. Parce que là, ça va être long. Et n'empêche, je suis en train de me dire un truc. C'est que il va falloir encore qu'on se fasse ça pour les 2 zones de la ville suivante. Plus les 3 zones qui vont faire la fin du jeu. Vous imaginez comment ça va être long? En fait, il est trop long, ce jeu. Bon, au moins on aura tout fait, à part ramasser les drapeaux, mais on aura tout fait. Et ça, c'est cool. Population approximative, 45 323 personnes. Ton max est éteint. Ah, vivement le PC, n'est-ce pas? Bref, hop là, on va donc s'arrêter ici. Normalement, ça va se regarder, on va juste descendre. Comment il peut sauter et faire un saut à la verticale? Allez, pourquoi il saute pas directement dans l'eau? Ah non, dans l'eau, c'est pas bien. Si l'eau est trop plate, ça fait comme si on s'écrasait sur un mur. Est parti à leur rencontre pour nous venger de leur sacre matraque. Sous mes yeux, priez pour payer cher, exalté et glorifié. Mais non, pourquoi t'as pas sauté quoi? Sérieux, c'est quoi cette arnaque? Tu n'es qu'un sale voleur. Mais pourquoi c'est-il ça? Que Saladin soit loué.
Ok, bon bah d'accord, j'ai compris, il veut pas. Ce truc ne sert à rien. Bon allez hop. J'ai pas tardé, non mais de toute façon j'arrête là Isa, hein. Donc toi, si tu vas être couché, tu es libre maintenant. Il n'y a plus de personne pour te retenir. À part bien sûr ton entourage. Donc moi je... Quick. Par contre c'est ultra désagréable de devoir quitter l'animus pour pouvoir quitter le jeu. Donc c'est une idée sympa hein, mais c'est trop long. Il est toujours là-bas, ok. Hop, quitter. Oui, je le veux. Ben, merci à vous en tout cas pour le live. Je vois que tu me dis merci Isa, mais merci à vous. Parce que franchement j'étais très long à démarrer et je m'en excuse. Enfin je vous prie m'en excuser plutôt, ça marche plus dans ce sens-là niveau politesse. Mais bon voilà, comme on dit, il y a des soirs comme ça où... Puis bon, j'ai un peu la frustration du coup de la désorganisation avec Cald et Dark.